Salut, c'est Chenouillette de Ludovox et je suis à Cannes pour cette 30e édition en compagnie donc de Benoît Forget qui va nous présenter cette fois son projet, son prototype du Tour du Monde en 80 jours qui arrivera pour la fin de l'année donc pour à Essen. Oui, c'est l'idée parce que ce jeu a une histoire. Il a gagné le Spiel des Sierres 79. Donc c'est un jeu de David Parlette, en fait c'est l'ancienne version du Lièvre à la Tortue. Voilà. Pour la petite histoire, l'idée c'était de décliner la gamme Contes et Jeux sur un format supérieur, c'est-à-dire s'inspirer toujours d'œuvres classiques, donc en l'occurrence des romans, Jules Verne, mais pas que, dans le futur, hein, si je ne m'interdis pas des Moby Dick, des Don Quichotte, des Oliver Twist, des choses comme ça. Et de garder ce pourquoi je suis un peu connu, hein, donc la gamme Contes et Jeux, avec laquelle j'ai réussi un peu à faire mon trou, et puis de décliner ça sur un format supérieur en termes de boîte et en termes de public aussi. Donc on est sur un 10 ans et plus, donc on est du famille. Alors j'aime pas le famille plus parce que ça implique un famille moins, quelque part. C'est comme les enfants plus ou les enfants moins, quoi, tu vois. Donc on est sur, c'est de la famille, à partir de 10 ans tu peux y jouer, puis au-delà, quoi. Il n'y a pas de limite. Et quand j'ai voulu lancer cette gamme, je me suis remis à jouer au Tour du Monde en 80 jours de Wolfgang Kramer, qui était paru chez Ravensburger. Il y en a eu un autre chez University Games. Ils avaient fait une série, il y avait le Tour du Monde en 80 jours, Voyage au centre de la Terre de Rudy Gerdorn et Tova Milius-Wemmer, qui était vraiment pas bien du tout. Et donc moi j'ai pris celui de Kramer et j'aime beaucoup Wolfgang Kramer, mais celui-là il n'avait pas très très bien vieilli. Ouais. Ça m'a pas fait. Et juste en dessous, la boîte juste en dessous, parce que j'ai quelques vieux jeux hein, dans ma ludothèque, je suis un peu vieux jeu aussi. Il y avait le Lièvre et la Tortue, alors l'édition d'Abacus, donc qui était une autre version de la version originelle du Lièvre et la Tortue. Et donc j'y ai joué et je me suis dit mais c'est carrément le Tour du Monde en 80 jours en fait. Et j'ai rédigé 2 pages d'adaptation dans la foulée. Voilà. Et j'ai balancé une bouteille à la mer. David Parlette a un site internet, et puis c'est un vieux monsieur, hein, il a plus de 70 ans, facile. Et j'ai balancé, il avait un contact, et il m'a répondu assez rapidement, assez enchanté de l'idée. Il connaissait le Lièvre la Tortue que j'avais édité, donc voilà, hein, c'était cool. Ouais, il aime beaucoup d'ailleurs. Et donc on a décidé de partir ensemble, sachant que Ravensburger a encore les droits en Allemagne. Mais ils avaient les droits internationaux, mais quand ils ne sont pas exploités dans un certain laps de temps, ils retombent chez l'auteur. Donc, ça veut dire que le jeu est encore distribué en Allemagne sous le nom du Lièvre à Tortue. Alors, c'est le Lièvre et le Hérisson, parce que la fable est un peu différente. Il est encore distribué en Espagne, et puis en Angleterre, je crois, mais dans tous les autres pays, donc la France. Donc, j'ai récupéré les droits. Et donc, je l'ai croisé, il était en conférence en Allemagne, il est passé par la France, on s'est croisé à Paris Ludique, on s'est rencontré, on a discuté, on est parti d'accord sur les termes, etc. Et voilà. Tu reprends vraiment le jeu, et qu'est-ce que tu as modernisé. Alors, ce qui est assez dingue avec ce jeu, et ça, c'est tous les gens qui ont joué à ce jeu peuvent le dire, c'est qu'il a une modernité énorme. Enfin, on le considère comme le père du jeu de société moderne, en fait. Et vraiment, quand on y a rejoué, mais je veux dire, il y a pas, enfin, la comparaison est facile avec les nouveaux jeux qui sortent, quoi. C'est voilà. Et donc, on a changé quelques trucs. Alors, faut savoir, comme c'est un jeu qui a une vie et plusieurs éditions. Par exemple, le système de cartes au départ, dans la première version, quand on tombait sur une case lièvre, on tirait une carte, on appliquait l'effet. Après, dans la version Abacus, ils ont fait une espèce de tableau croisé où on croisait sa position avec un dé qu'on lançait, ça faisait un effet. Alors, c'était pas super ludique, hein, ça faisait un peu wargame, mais il y avait un truc intéressant, c'est que ça prenait en compte la position des joueurs. C'est-à-dire que si on était premier, on avait moins de chances de tomber sur des trucs bénéfiques. Il y a un petit truc comme ça qui me plaisait bien. Et en fait, j'ai proposé à David de faire un système qui reprend les cartes, mais qui prend en compte aussi cet aspect, si je suis premier, voilà. Donc en fait, tout simplement, on a le lièvre devient passe-partout. Hein, nous, on va jouer des Phileas Fogg. Et quand on tombe sur une carte passe-partout, si on est premier, on pioche une carte, on est obligé d'appliquer l'effet. Par contre, si on est deuxième, troisième, dernier, on pioche 2 cartes, on en choisit une et on applique l'effet. Peut-être nous expliquer le but du jeu. Le but du jeu, c'est de faire le tour du monde en 80 jours. Ouais, super. Ok, merci. Non, c'est fini. En fait, le truc, c'est un faux jeu de course. Parce que c'est plutôt un jeu de gestion de mouvement, où il va falloir se déplacer, optimiser son déplacement, mais aussi l'optimiser non seulement pour soi, mais pour emmerder les autres. Non, c'est, je vais vulgariser, il est tard, hein, c'est bon, on peut y aller. Non, pour embêter les autres. Voilà, c'est très bien. Donc, et ça veut dire aussi, comme on joue
avec, on a des cartes en main qui sont des cartes d'argent, donc des cartes livres, hein, qu'on va jouer pour avancer sur les cases. Alors, ce n'est pas une pour une. Il y a un petit système, un petit tableau qui fait que si je dois avancer d'une case, je dépense une livre. Si je veux avancer de deux cases, je dépense trois livres, etc., etc. Donc, il y a un tableau comme ça. Et viendra un moment où on n'aura plus beaucoup de livres en main parce qu'on ne pourra plus avancer, on a dépensé trop d'argent. Et bien, il va falloir reculer. Et donc, justement, toutes les villes qui sont là, on ne peut jamais y aller directement. Il va falloir reculer sur les villes. On ne peut que reculer sur les villes. Et le nombre de cases dont je recule, c'est le nombre de cartes de livres que je vais gagner fois 10. Donc, il faut savoir reculer pour mieux avancer. Il faut savoir bloquer les autres parce qu'il y a aussi des cartes, des cases paris dans l'histoire. Bah, il y a plein de gens qui parient contre la réussite de Phileas Fogg. Et le truc, c'est que lorsque j'arrive sur une case paris, donc il y a des 3, des 2, des 4, 5, 6, par exemple 2, il ne se passe rien. Et lorsque mon tour revient, mon tour de jeu, si je suis deuxième sur le plateau, je vais toucher ma position x 10 en livres. Donc les autres joueurs, ils n'ont pas intérêt à vous laisser là et donc agencer les positions. Surtout qu'il y a des cases sur lesquelles on peut rester. Quand on arrive sur une case livre, le tour d'après, quand ça revient à nous, on peut soit partir tranquillement, soit gagner 10 livres ou dépenser 10 livres. Donc on peut temporiser aussi. Pourquoi dépenser 10 livres? Parce que lorsqu'on a fait le tour du monde, et ça, ceux qui connaissent le lièvre à tortue vont tout de suite comprendre, dans le lièvre à tortue originel, on commençait la partie avec 3 cartes salades. Et pour arriver, il fallait ne plus avoir de cartes salades, les défausser, donc il y a une manière de les défausser, et avoir 10 livres ou moins en main. 10 carottes, c'était des carottes à l'époque. Donc là, thématiquement, ça colle, parce que Phileas Fogg, quand il part de Londres, il est suspecté d'avoir braqué la Banque d'Angleterre. Donc, au lieu de cartes salades, on va avoir 3 cartes rumeurs. Donc, il va falloir qu'il se débarrasse des rumeurs tout au long du voyage et arriver avec 10 livres ou moins en poche pour être un peu blanchi. Voilà. Sinon, on ne peut pas arriver. Okay, pour se débarrasser des cartes rumeurs, on doit s'arrêter sur les cartes Police News pour se débarrasser, pour prouver un peu son innocence hein, dans l'idée. On doit rester un tour et on ne repart que le tour d'après. Donc, on est obligé de rester, on perd du temps, mais aussi, il faut absolument se débarrasser des cartes rumeurs pour pouvoir arriver. Voilà. Donc, c'est un jeu qui est jouable de 2 à 6 joueurs. Qui joue en 45-60 minutes, enfin, c'est un format assez classique, en moyenne, sachant qu'à 2 joueurs, on joue 30 minutes. À 6 joueurs, c'est 1h30 maximum, en fait. Parce que moi, je n'étais pas pour garder la version 6 joueurs, mais en fait, on l'a essayé, et 1h30, comme ça, ça passe complètement. Les tours de jeu sont extrêmement rapides. On dépense de l'argent, on avance. On prend une décision, je reste sur ma case ou j'avance. Plus chaotique à 6 qu'à 2. Alors, mais en fait, non. Enfin, c'est pas, il n'y a pas vraiment de chaos dans le jeu, parce que plus il y a de joueurs, plus il y a de blocage aussi. Donc en fait, c'est un jeu qui est assez calculatoire. Hein, c'est pour ça qu'il a été réputé aussi. Donc le chaos, je dirais qu'il vient seulement des cartes. Et encore, il est presque maîtrisé, pas totalement. Hein, c'est bien qu'il y ait du hasard dans le jeu, parce que c'est quand même un jeu qui va toucher aussi la famille. Mais il y a moyen, le fait de piocher une carte si on est premier, ou deux cartes, et puis d'en choisir une si on n'est pas premier, ça permet de temporiser un peu ça. Voilà. Du coup, tu dirais que tu as bénéficié des autres éditions qui sont passés avant toi ? Oui, oui. Et puis on l'a modernisé pour l'adapter au goût du jour. Et comme ce qui était vraiment intéressant, c'est que la base était déjà, enfin, n'a pas perdu en intérêt par rapport à ce qui sort aujourd'hui. Ce qu'on a rajouté, je pense que ça va lui donner un petit coup de fouet aussi, quoi. Au niveau des règles, là, vous avez terminé ou c'est surtout l'illustration du coup maintenant ? En fait, ce qu'il a fallu faire, parce que le plateau originel, il fait 63 cases ou 64 cases. Donc, tour du monde en 80 jours, il faut mettre 80 cases. C'est ça le truc, en fait. Donc, par contre, il a fallu rééquilibrer parce que la répartition des cases est super importante. Il y a un équilibre dans la répartition des cases. Donc, ça demandait un peu de boulot. Ah, du développement, hein, moi j'en fais, donc ça me pose pas de problème. Et voilà. Et même dans la réalisation du plateau, ça on va en parler parce qu'il y a des gens qui sont intervenus dans l'illustration. C'était un petit cheminement, quoi, savoir comment l'agencer. On voulait partir sur une carte, un truc classique, c'est un voyage, on met les cases, mais les cases ne correspondaient pas à l'écart entre les villes. Donc il a fallu un plateau de 2 mètres de diamètre. Quoi. Voilà. Donc on est parti en fait sur un truc, une vision du bureau de Phileas Fogg, vu du dessus. Et à qui j'ai fait appel pour ça ? Un vieux machin aussi qui s'appelle Tom Verschex, voilà, qui a œuvré sur Mafia des Cubas, sur Skull, et qui est très fort. Bon, il faudra pas qu'il regarde cette vidéo. Hein. Et qui est plutôt qui a une belle appréhension de ce genre de choses, quoi. C'est y a pas photo, quoi. Donc on travaille ensemble. En fait, je lui ai demandé de s'occuper de la charte graphique au départ, hein. On va en parler peut-être après. Et finalement, je lui ai dit, écoute, le plateau, ça serait bien que tu t'en occupes parce que Thibaut Prune, l'illustrateur, c'est son premier jeu et il travaille en traditionnel.
Donc les retouches, le plateau, c'était, ça pouvait être très très compliqué. Donc, et ce qui est vraiment très très bien, c'est que les illustrations, donc elles apparaîtront sur la boîte et sur les cartes, hein, notamment, et aussi passe-partout ici, s'intègrent parfaitement avec ce qu'a fait Tom, en fait. Donc on a vraiment obtenu un résultat. Alors là, c'est pas le plateau définitif, elle est allégée un peu, la carte va être réduite, enfin il y a plein de petits trucs encore, mais globalement, ça sera ça, quoi. Comment vous avez fait ce choix de charte graphique, justement ? Eh bien, moi, j'aime beaucoup les éditions. Enfin, j'aime beaucoup Jules Verne, c'est un lieu commun. Mon fils s'appelle Nemo. Donc, alors, il n'a pas de bol. On l'appelait Nemo, mais le film sur Nemo le poisson est sorti juste après. Donc, ça, c'est pas de bol. Il y a pire. Voilà. Enfin, bon, bref, quoi. Et puis, ça fait partie de notre culture et tout. Et l'idée, c'était de reprendre la charte des éditions Hetzel, en fait, qui se présente un peu comme ça. Et il y a pas mal de BD qui ont repris cette charte graphique, c'est-à-dire les livres rouges avec une présentation pas steampunk, mais pas loin, enfin Jules Verne, quoi. Old school. Ouais, old school, moi j'aime bien le old school. Hein. Mais le truc, c'est qu'on va la moderniser un peu, enfin, on va la traiter presque un peu comme la gamme Contes et Jeux, en fait, dans l'idée, quoi. Hein, voilà. Sauf que là, on va changer le format de boîte, parce qu'on va. Alors, ça aura l'aspect d'un livre, un peu. Sauf que là, on part sur une boîte tiroir avec. Je sais pas si vous voyez, là, non ? Comme ça, là, peut-être. Il y aura un petit trou. Alors, il y a une illustration, un petit médaillon. Et on appuie là, tac, pour faire un tiroir. Voilà. Donc, tout ça sera rangé dans cette boîte. Et voilà. Voilà. Super. Merci beaucoup. Tu veux ajouter une dernière chose ? On a fait le tour ? Bah, écoute, c'est déjà pas mal. Ouais. Puis, on aura l'occasion d'y revenir. Oui, parce que oui, ça aura... À l'état prototypal, il y a encore pas mal de choses à régler. Mais normalement, on essaie de fixer une sortie pour SN. Alors, je n'ai pas l'habitude de faire des sorties pour SN parce que c'est pas... Mais en l'occurrence, là, le jeu, il y a une histoire... aussi en Allemagne. Et si on pouvait faire venir David Parlette, ça serait très bien aussi. D'accord, très bien, bon, on gardera un œil là-dessus. Merci beaucoup, Benoît. À bientôt sur Ludovox.